Ça me tourne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la rotation d'un vidéo lequel vous voudrez faire une petite édition. Et donc, moi, j'ai l'exemple ici. J'ai ce vidéo que j'ai fait dans mon iPhone. Je le sens plus, mais bon. Vous voyez, il n'est pas dans la bonne position. Donc, j'ai vu quelques... Je vais mettre nouveau, je fais une pause. Hein. Parce que j'ai vu quelques tutos sur internet qu'on peut effectivement faire la rotation ici, dans les effets vidéo. Mais malheureusement, moi je suis sur Mac. Hein. Et donc malheureusement, je n'ai pas le moyen de faire la rotation de ces petites vidéos. Et je n'ai pas non plus envie de dépenser de l'argent. Dans une application qui fait la rotation. Pardon. Donc, on n'a pas besoin en fait. Donc, vous allez cliquer sur le même fichier et vous allez faire ouvrir avec QuickTime Player. C'est une application qui vient de Racine avec Mac. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez venir sur View, File. Voilà, Edit. Et vous allez voir tout de suite à votre gauche, là, dans la colonne, rotation à gauche, rotation à droite, donc j'ai en vert, hein, c'est normal. Et donc, ce que je veux, c'est qu'il fait une rotation à droite de 90 degrés. Donc, je vais faire rotation à droite. Et donc, il se présente comme ça. Et on va tester tout de suite, hein, pour vérifier que tout marche. Voilà, j'ai mon son, j'ai tout, donc je ne veux pas allonger ça parce que je veux faire l'édition. Donc une fois que c'est ça, une fois que c'est, vous cliquez play, hein, et après, on n'a pas besoin de regarder le vidéo en fait. Vous venez là et vous faire l'exportation. Moi je ne vais pas le faire parce qu'en fait je suis en train de le faire déjà, je choisis 4K. On va voir comment ça se passera après dans l'édition parce que je vais éditer ça. Je vais faire une petite édition et donc après ça, je pense que c'est cela. Donc voilà, ça sera prêt en 3 minutes, donc je vais attendre que ça sera prêt, hein. Parce que j'ai déjà fait l'exportation, je ne vais pas l'exporter de nouveau, donc j'attends les 3 minutes et après je reviens. Et voilà, le fichier il est finalement fait. Donc je vais le faire avec iPhone, VLC, seulement pour que vous constatez que je peux donc ouvrir ça et ça va me donner un bon plan, hein, en 4K. Donc j'espère que vous aimez, faites un like, ciao.